Le bon Dieu t'a décidé pour te faire l'homme, l'elfine fait, l'y fait sur la terre et l'y dépose sur la terre. Les balles autorité, habilité, avec pouvoir pour dominer sur toute sa gain sous la terre, même sous oiseaux qui ont volé. Il a autorité sur le poisson dans la mer, autorité sur toute bête qui vient sous la terre. Et après ça, il dit à l'homme, croissez, multipliez, remplis la terre. Avec petit Adam et puis petit Ève. Je demande pour bien entendre ça, Nabdia, parce que ça a un rapport avec bon sens. Les gens qui n'ont pas bon sens, mets-toi à genoux, Kounia, et demande bon Dieu bon sens. Parce que la vie éternelle, pas pour les gens fous, ni pour les gens enragés, c'est pour les gens qui ont bon sens. Bon sens pour comprendre, bon sens pour tendre. Bon sens pour poser question. Bon sens pour grandir dans mon Dieu. Bon sens et bon raisonnement, c'est deux éléments indispensables à la vie éternelle. Ça fait 42 ans qu'on a dit ça. Nous n'avons pas inventé rien. C'est bon sens et bon raisonnement qui va faire comprendre mon Dieu et qui va faire mon Dieu pencher sous chaos. Bon Dieu bénit Adam et Ève et dit, croissez, multipliez, remplissez la terre. Si bon Dieu t'a mené l'homme dans le ciel, il t'a tout fait Adam et Ève dans le ciel. Il t'a tout dit, croissez, multipliez, remplissez le ciel. Nous prenons quelques secondes, nous ne pas parler, c'est pour qu'on réfléchisse. Si bon Dieu t'a mené l'homme dans le ciel, depuis l'elle t'a fait là, elle t'a tout fait dans le ciel là, il t'a tout béni, ni croissé, multiplié, remplissé le ciel. N'a pas suivi bon Dieu. Bon Dieu fait un jardin à tout ça l'homme besoin. Pour le vivre, les planter dans le jardin. De yon jardin, pas de gain rien. C'est ça, il y aurait le paradis. Yon paradis, c'est un mot qui traduit yon environnement côté où joigne tout ça où gain besoin. Dans le jardin, l'homme a à disposition et sur la main, sans tracas, tout ça a besoin pour le vivre. Il a l'air pour respirer, de l'eau pour besoin de l'eau et toute qualité fruit, toute qualité manger, toute qualité zèbre. Et bon Dieu, bail l'homme autorisation pour le servir à toute bagaille ça. Il bat l'autorité sous le lion. Si on entend ça, ça ne peut pas représenter grand chose, mais là, on a dit au sale, il a autorité sous le lion, je dis, ah ouais, c'est un gros pouvoir. Autorité sous le lion, sous le tigre, sous le jaguar, sous le lynx, même sur les chats que nous connaissons, je dis, ils sont divisés en deux catégories.
chat sauvage et chat domestique. Il a un pouvoir sur tous les oiseaux qui ont volé, sur tous les poissons dans la mer. Pour arriver aujourd'hui, il y a une grande différence dans le pouvoir, ça, c'est que nous perdons tout pouvoir net, c'est pelin pour nous tendre pour un poisson, c'est pelin pour nous tendre pour un oiseau, pour nous gagner dans la main. Nous. Pour l'autre bête, eux-mêmes, c'est courir pour nous courir, bien vite à le cacher, pour ne pas finir avec nous. Il y a un temps arrivé, Adam avec Ève s'est senti trop bien. Ils ont entré dans une conversation avec serpent dans le jardin. Ève avec Adam mangeait dans un pied bois que bon Dieu te défend de manger. Ce qui est important, ce n'est pas par le fait qu'ils ont mangé dans le pied bois. Mais c'est parce que bon Dieu te baille l'autre pour pas manger, pour pas toucher, pour pas manger. Là encore, il n'est pas encore grave par le fait qu'ils ont mangé dans le pied bois. Mais ça te rend une situation plus grave, c'est de ce que c'est un ennemi bon Dieu qui fait ouais, il n'a qu'à manger là-dedans. Donc, situation a vu grave parce que les amis de Dieu, les enfants de Dieu, viennent faire un complot sous dos bon Dieu avec ennemi bon Dieu. Ils n'ont pas quoi bon Dieu encore. Ils n'ont pas quoi ça bon Dieu dit, mais ils ont quoi plutôt ça ennemi bon Dieu a dit. Et ils ont mangé dans le pied bois. Bible a dit nous, Adam et Ève étaient nus dans le jardin. En pile monde qui a l'esprit au l'envers, poser question ça, comment vous êtes fait nu? Est-ce que ce n'est pas nu? Non, vous êtes habillé. Vous êtes habillé parce que les nous regardons dans la création. Soit dans le ciel, soit sous la terre, bon Dieu pas jamais fait rien qui nu. Maï, zaboka, kousol, papaye, cabrit, bœuf, cochon, zange. Youn nan sa bon Dieu fait, petit en kougo, pas nu. Pour qui raison même pour le ta fait l'homme nu? Vous pouvez comprendre ça très bien. Le bon Dieu venait dans le jardin un soir et après l'homme, après qu'il était fini de manger dans le pied bois, l'homme dit, Seigneur, je ne peux pas venir côté où il y a, ou après je ne peux pas venir parce que je suis nu. C'est alors que vous reconnaissez que vous êtes nu. Qui ça fait vous reconnaître que vous êtes nu? Ce n'est pas par le fait que vous avez mangé dans le pied bois que vous avez une intelligence pour vous voir nu, mais parce que vous avez mangé dans le pied bois, vous avez gagné un boulet. Il y a des bagailles, l'eau boile ou l'eau mangée, il faut venir faible, tout de suite. Il y a des bagailles où fin boile fait dormir dans le jeu tout de suite. Il y a des bagailles où fin boile ou perdit et tout. Eh bien, pied bois ça, c'est une vertu que nous ne pouvons jamais comprendre, mais par le fait que Adam et Ève ont désobéi la voix de Dieu, ils ont perdu ce qui est plus cher pour eux, la robe de gloire que ont gagné sur eux. Et plus tard, la Bible dit nous, là nous va dans le royaume de Dieu, tant pis pour les gens qui connaissent le ciel et pas avoir ma palais. Au moins déjà mouru. Puis ta, Bible a dit nous, le royaume bon Dieu va là, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui l'autre aide encore, on en a besoin pour mettre sous le fin clairé tant que le soleil.
réfléchir sur samedi. Qui genre de rade ou a besoin de mettre sur vous là au fin clairé tant que soleil. Laisse ça ce soleil là qui rade ou même. Dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons un signe paraître dans le ciel là, c'est une femme qui était enveloppée avec soleil là. Ce soleil là qui radie, qui servit d'enveloppe pour lui. Il te gagne une couronne 12 étoiles sous tête lui, te gagne la lune en bas pied. Quand sa femme ça y est, c'est l'église bon Dieu. M'a pas parlé l'église pentecôtiste, adventiste méthodiste. M'a pas parlé l'église bon Dieu dans son ensemble sur la terre. Quel est le pentecôtiste méthodiste, m'a besoin connaître. L'église bon Dieu doit éclairer tant que soleil. Alors, nous te voyons Adam vin terne, li vin sombre, li vin perdu beltil, tout de suite li reconnaître qu'il pas qu'apparaître devant bon Dieu, la cacher et apprend feuille pour faire rade mettre sous lit. Là il dit bon Dieu moins nu, l'Éternel saisit tant de ça, elle dit comment fait qui est ce monde qui dit ou nu? Quand on joint le vocabulaire ça, tout de suite l'Éternel comprend ce qui passe. Il dit, est-ce que tu manges dans le pied bois, tu es ou pas mangé? L'Éternel connaît ce seul pied bois ça qui t'a caboulé robe qui était sous Adam. Le ça, la Bible a dit nous, bon Dieu fait un rad à peau bête. Li mette sous Adam avec Ève. Mais Ève toujours gain sous tête li l'autre ça bénédiction ça pour le croiser, multiplier et remplir la terre. Là on un chef ou gain un signe qui dit ce chef. Ou on baye yon bon kembe. Ou on bagaye nan men, ou ki dou se chef, yon papier, yon insigne, yon armoire, mba konen. Adam perdu par là, c'est nan wob l'alte. Li pa ka gouverner bet yo encore. Bet yo pa respecte l'homme. Et ti moun ki pral fèt nan Adam yo, pa gen autorité ça non plus. Bien bonè. Adam fait deux timoun, yon tue l'autre. Bon Dieu pas prend sacrité pour mener dans le ciel. Quelques années plus tard, bon Dieu vient reparler nous dans Genèse de l'autre petite que Adam et Ève fait. Et Adam et Ève dit fois ça. Bon Dieu, bon, mais un petit pour remplacer Abel que Caïn t'a tué. Il y a deux lignées de monde sur la terre, les enfants de Seth et les enfants de Caïn. Tu as gagné des années passées depuis Caïn a fait petit, petit, petit avant Seth vienne faite. Le Sahara, lignée Seth là, c'est censé en retard souligner Caïn. Le bon Dieu vient parler de ce qui est passé. Il dit nous, Enoch, c'était le septième monde bon Dieu te gagne sur la terre. Après des centaines d'années, Enoch était le septième monde bon Dieu te gagne sur la terre. Ça arrivé, je dis, ah, bon Dieu, pas jamais gagné un pile monde sur la terre. Bon Dieu décidé que l'a détruit l'homme sur la terre. Parce que l'homme pensait chaque jour et simplement sous sa mal. Et bon Dieu dit, pas doué faire l'homme. Pour qu'il ne soit pas doué faire l'homme, parce que dans le plan bon Dieu, ce n'est pas l'homme qui t'a fait.
ces circonstances, des obéissances de Lucifer qui fait ça, le fait, à condition qu'elle a préparé le pita, mais Satan prend bon Dieu de coup. Maintenant, bon Dieu détruit tout le monde avec toute bête qui était créée sous la terre. Dans l'espace de 40 jours. Et après 150 jours, bon Dieu mettait Noé, Cam, Sem, Japhet, la femme de Noé, puis les femmes de ces trois hommes, d'ailleurs au nombre de 8, de pas mener au monté dans le ciel. Et quitter sur la terre. Jusque-là, plan bon Dieu t'est gagné pour la terre t'est gouvernée par des hommes, non? Toujours là. Bon Dieu menait 8 mouns sortis dans l'âge là et le béni encore, il dit, croissez, multipliez, remplissez la terre. Ça veut dire, bon Dieu, toujours le même plan. Plus tard, parmi trois hommes qui étaient sortis dans Canot là, bon Dieu rencontrait un homme, il y aurait les Tirac, qui sortit dans la race Sem, qui gagnait un petit garçon, il y Abraham. Bon Dieu choisit, il dit, puisque l'homme méchant comme ça, et il recommence à faire méchanceté encore, pour me garder des tuyaux, je vais choisir une race spéciale, et je vais lui donner une grâce spéciale pour me capable de gagner une nouvelle génération de monde sur la terre. Bon Dieu choisit Abraham, petit Térak, et lui dit, Abraham, quitte pays ou quitte caille papa ou quitte Ur en Chaldé, quitte patrie ou m'a mené ou dans l'autre pays. Nous t'avons montré dernièrement et ouais que Abraham t'a fait les parti avec papa et puis neveu, c'est pas lui bon, c'est pas mon ça bon Dieu t'a relé. Arrivé dans la terre de Canaan, l'Éternel bénit Abraham et dit, Abraham, comptez sous capable les étoiles du ciel. Comptez sous capable grain de sable dans la mer. C'est comme ça ma foi petite. Pendant temps, bon Dieu a dit ça, Abraham n'a pas encore un timoun parce que madame n'était stérile. Maintenant, Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est une grosse parole que seul bon Dieu a défini. Finalement, bon Dieu, ben, Abraham, il y a un petit, tu relèves l'Isaac. Postérité d'Abraham. Isaac fait un petit, tu relèves Jacob. Jacob vint devenu une grande nation, bon Dieu choisit depuis dans 20 pour ça. L'irrivé, on l'est, on seul, Jacob l'a devenu 71 mounes. Bon Dieu te dit à Abraham, c'est pour connaître ça, m'a fait descendre dans l'eau esclave dans le pays. Et après 400 ans, m'a metté au dehors. Abraham effectivement fait Isaac, Isaac fait Jacob, et bon Dieu changé non Jacob en chemin en Israël, et là où était 71, 70 plus papa, il est allé en Égypte, il a passé 430 ans en Égypte avant que bon Dieu mène au tourner dans la terre de Canaan. Lorsque la postérité d'Abraham commençait gros au nombre de 71, bon Dieu pas mené au ciel, il mené plutôt en Égypte. Là, il y a des milliers,
bon Dieu pas prêt ou en Égypte pour le mener au dans le ciel, mais le mener dans la terre de Canaan. Li établi ou là, li détruit des nations. Li détruit 14 nations pour l'établir en seule nation en Canaan. Maintenant, bon Dieu fait promesse à Abraham, et c'est plus tard l'apôtre Paul qui va le dire nous qui sa promesse ça a été. N'a pas au texte là pour Kablili. C'est Galates chapitre 3, côté Paul va expliquer nous qui sa promesse ça a été. Est-ce que c'était Isaac? Non. Est-ce que c'était Jacob? Non. On appelait ça? Tout le monde appelait l'ensemble. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Promesses ont été faites à Abraham et à postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Il n'est pas dit aux postérités AUX. Comme s'il s'agissait de plusieurs postérités. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. En tant qu'il s'agit d'une seule postérité. Et à ta postérité. Il dit à ta postérité. C'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire à Christ là. Ouais, c'est important, je vous dis, pour nous continuer à dire Christ là. Au lieu de nous dire Christ. Tant qu'un grand pasteur théologien yo, qui tellement brodé, tellement étudié, il n'a pas qu'à dire Jésus-Christ, pour parler académiquement parlant, il dit Jésus-Christ. Mais le Paul a besoin d'expliquer ça, il dit, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il a dit à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Qui est Christ? C'est Jésus. Jésus est Christ. Ce n'est pas signatile ça. Moun qui dit Jésus-Christ, c'est parce que vous pensez que Christ là, c'est signature Jésus. Alors, il n'a pas prononcé le comme ça, il a prononcé le Jean Baudet Jésus-Christ. Nous-mêmes, dans Foule Gaspel, nous instruit la caille Seigneur. Sous Emile, c'est en l'école. Des mouns apprennent qu'on est bon Dieu. Alors maintenant, postérité, en pile petite là, ce n'est pas pour Isaac. Ce n'est pas pour Jacob. Mais c'est Christ là. Qui pral fait postérité ça pour Abraham. Alors, nous te voyons, bon Dieu choisi yon nation, c'est Israël. Israël vient devenu des milliers. Et bon Dieu fait choix de lui comme un peuple à part, en mettant tout l'autre peuple. C'est ça que fait l'Irélé, peuple ça. Mon enfant, il relait toute l'autre nation, Jean Morette, Olivier Sauvage, Païen, il relait Livret, il relait tout gens. Les Israël c'est blé, les enfants d'Israël c'est blé, les nations c'est Livret. Lorsque les enfants d'Israël c'est Bérégène, l'autre nation c'est Jean Morette. Lors les enfants d'Israël, ces olives qui fait l'huile, l'autre nation, ces olives sauvages, qui va donner l'huile, qui va faire rien. Et maintenant, bon Dieu te promet à Abraham qu'il a bien en pile petite. Mais Paul dit nous qu'en pile petite, ça, c'est dans Christ là la besoin. Lorsque Christ là pral vini, eh bien, te getan gen pile promesse sous tête Christ là. Bon Dieu
choisi un homme parmi tout le monde qui était dans le pays à relé David. Et il dit, moi je viens dans David un homme selon que moi. Il fait devenir roi d'Israël. Et l'Éternel prend le palais. Il y a un genre de David qui est extraordinaire en vertu de promesses qu'il t'a fait à Abraham. On apprend psaume 89 pour nous allouer comment l'Éternel parlait de David. Chita bien, pour bien comprendre, mettez bon sens sous vous. Oui. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Il dit, m'a fait de vous-même un premier-né. Le plus élevé des rois de la terre. M'a fait devenir un roi qui puis élevé de tout roi sur la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Tout temps, m'a conservé bonté moi envers lui. Et mon alliance lui sera fidèle. Et alliance m'a fait avec là. Son alliance cap fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Ma prenne postérité David là, éternelle. Tout le monde dit éternel. Éternel. Ma prenne postérité là comment? Éternelle. Mm-hmm. Et son trône comme les jours des cieux. Et ma fait trône David là, tant qu'au jour ciel yo. Est-ce qu'il y a un monde quelque part là qui a dit combien d'années ciel y a gagné depuis au fait? Parmi les gens qui connaît en pile bagaille. Si on ne prend dans le ciel, on ne peut pas connaître qui l'a ciel là. Alors mon bagaille pour aller chercher, connaît la prochaine fois pour porter bon moi. Pas prendre pause, catafalgue, mon bagage ou pourquoi qu'on est. Ou pourquoi qu'on est qui l'a ici, elle là, ou là-dedans. Mais bon Dieu pral rendre postérité David là. Son trône comme les jours des cieux. Pral rendre postérité David là, chita sur un trône, et trône là, ap gagné, jour long, 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 t'as coup qui ça? Des cieux. M'attendez, non, l'église a gagné, elle n'a pas dit ça. C'est en répétant la parole de Dieu qu'elle a prêté dans où? C'est pas ça, alors fin d'entendre, elle l'a échappé. Joue trône. David là, pral gen même longueur avec joue ciel lio. Jeudi soir, nous avons gagné un pasteur, un prédicateur, un frère ou bien un consulté qui perd du pied lui ici. Et puis il m'a donné un verset qui dit nous ne pouvons pas aller dans le ciel. Nous allons dans 3:13. Il commence à lire. Personne n'est monté au ciel. Et puis il dit oh, il saisit pour le rebail ça. Il ne peut pas considérer un verset comme ça. Lorsqu'un verset ou pas qu'on n'a pas venu poser une question. Ou pas prendre pause où vous connaissez. Ou pas même quand Jean 3:13 pour poser question sur le ciel. Jean 3:13 dit, personne n'est monté au ciel. Les bois versets ont saisi. Tant que vous êtes un diable. Si monsieur a commencé, personne n'est monté au ciel. Oh, nous t'entendons. Il saisit. Et malgré ça, le dégassé, je cherche pour continuer à parler. Les jours du trône de David seront aussi longs que les jours des cieux. Réfléchis sur ça. Abede Pomba ou qu'a changé. Ensuite, si ses fils abandonnent ma loi, si petit David Dieu abandonné loi moi et ne marche pas selon ses ordonnances, il n'a pas fait ça m'ordonné ou pour faire, s'il viole mes préceptes, si vous violez les préceptes, et n'observe pas mes commandements, et vous pas observé les commandements, moi, je punirai de la verge leurs transgressions, m'a battu avec fouette, et par des coups leurs iniquités, m'a battu avec bâton pour iniquité,
Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Mais je ne vais pas retirer bonté pour David. Est-ce que vous entendez ça? Ni non plus, je ne vais pas trahir ma fidélité. Fidélité moi à David. Ça veut dire, bon Dieu fait serment que David a toujours gagné un descendant sous toi néant. Je ne violerai point mon alliance. Je ne vais pas violer alliance moyen. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et ça me finit d'être bouche moyen. Je ne vais pas changer. J'ai juré une fois par ma sainteté. Moi, t'ai fait serment une fois sous tête sainteté. Moi. Mentirai-je à David? Est-ce que cabaye David menti? Sa postérité subsistera toujours. Postérité David là a subsisté tout le temps. Son trône sera devant moi comme le soleil. Trône devant à tant coup soleil là. Comme la lune, il aura la tant coup la lune là la pour longtemps. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et moi-même qui dans le ciel là me dit ça et me fidèle, me va faire l'autre bagaille. Réfléchis sur parole ça. David, tu vois, en Israël, plus précisément du côté soleil levé, plus précisément, il gouvernait Israël avec Juda pendant 40 ans et 6 mois. Et les anges l'ont vini pour l'annoncer à Marie qu'elle va le faire en petite. Il dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Satan connaît que Jésus, c'est petit David. Oh, oh, attendez, non. Si Satan dit Jésus, c'est petit David, et Mounsayo qui dit Jésus, c'est papa bon Dieu, et pas Satan qui dit ça. Il y a plus que Satan sur la terre. Vous ne savez pas, puis enragé parce que Satan. Parce que Satan n'a pas dit Jésus, c'est papa. Dans le désert, il a pour tenter Jésus, il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu. Jésus était en Israël, il y a un groupe de démons où il a dit, Jésus, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous-mêmes pour qu'ils soient pour tout mentir nous avant leur arrivée? Hé, étonne-moi, si Satan reconnaît Jésus comme petit David, bon, un groupe de monde même sous la terre qui dit, Jésus, pas petit David, c'est papa mon Dieu lié. Alors, c'est Satan qui t'a terrible comme ça. L'homme prend menti. Non, mais Satan. C'est petit Satan. L'homme baille menti. Ou c'est petit Satan. L'homme prend menti. Ou c'est jouet Satan. Ah, nous souhaitons promesse que bon Dieu fait à qui est ça? À David. Et de qui est-ce la parole? La parole de postérité David. Postérité David là, c'est qui est ça? C'est Jésus. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. La maison de Jacob, là, c'est qui ça? C'est Israël. Qui va lier dans le ciel ou sur la terre?
Maintenant, nous allons aller plus loin. Nous voyons que bon Dieu pral fait d'autres promesses à David selon le Jérémie chapitre 33 à partir du verset 14. Jérémie chapitre 33, n'a commencé dans verset 14. Yes. Voici les jours viennent. Meni, jour pral vini, et c'est moi l'Éternel qui dit ça. Où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Ma va accomplir bonne parole que je t'ai dit sur Israël et sur la maison de Juda. Nous sortons des paroles, pas vrai? Est-ce que nous sortons de dans Somme 89? Maintenant l'Éternel dit, je vais arriver là pour me faire ça, me te dit ma faire. En ces jours et dans jour ça yo, en ces temps-là, et dans temps ça, je ferai éclore à David un germe de justice. M'a fait un germe calé tant qu'on zé pour David, c'est un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité la dans le pratiquer pays. La justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Dans jour ça, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Jérusalem a bien sécurité, pas bien monde pour venir goumer avec. Et voici comment on l'appellera. Mais comment il va reler petit ça? L'Éternel, notre justice. Il va reler l'Éternel justice noire. Car ainsi parle l'Éternel. Mais ça, l'Éternel dit. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Est-ce que vous entendez ça? David ne manquera comment? Jamais. Comment? Jamais. Jamais. Qui est-ce qui dit ça? Jamais. L'Éternel dit jamais. Hein? Oui. David ne va jamais manquer. Leur successeur sous trône David là. Les sacrificateurs, les lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs. Devant pas jamais gagner on lévite un sacrificateur qui pas gagner monde pour remplacer le devant. Pour offrir des holocaustes. Pour offrir holocauste. Brûler de l'encens avec les offrandes. Brûler l'encens avec offrandes. Et faire des sacrifices tous les jours. Et faire des sacrifices tous les jours. Pas jamais manquer ça. L'Éternel décidait que David va gagner un descendant sous ton néant tout le temps. Et c'est ça que fait, l'ange là te parlé avec Marie, il dit Marie, le Seigneur Dieu, comment? Lui donnera quoi? Le trône de David, son père. Et ensuite, il règnera éternellement sur la maison de Jacob. Qui dit la maison de Jacob? Dit la maison d'Israël. Et son règne n'aura point de fin. L'homme dit, je vais prendre dans le ciel. Je fais une bonne verse, c'est ça, on continue à rester. Ça veut dire, où sont les gens qui sont dangereux? Ou dangereux, oui. Ou pire, c'est Satan, puis tout le monde fait un mal avec Satan, tout le monde fait un Jésus est la postérité d'Abraham, fils de David, qui régnera éternellement sur la terre. Là, Jésus a monté dans le ciel, là, disciple, il est gardé dans l'air. Hein? Deux anges paraissent, il dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
C'est Jésus que nous voyons à l'ancien là, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous n'avons pas besoin à l'anniversaire. Dans Matthieu nous lit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur le trône de sa gloire. On a posé la question, hein? À quel moment même, bon Dieu t'a changé ça et il dit, il faut que l'homme aille vivre dans le ciel. Depuis le commencement, l'homme t'a gagné pour vivre où ça? Sur la terre. Qui l'est, bon Dieu, qui a changé ça? Il dit, désormais, l'homme brûle dans le ciel. Est-ce que Adam monte dans le ciel là? Actes des Apôtres, chapitre 4, dit, David n'est point monté au ciel. On a dit que David, il faut bon Dieu t'amener dans le ciel là. Et nous t'a dit, Jésus prend le trône de David au ciel. David, après sa mort, l'apôtre Pierre dit, David n'est point monté au ciel. Acte 2:34. Il y a une série de monde qui tombent sous tête, comme ça dit. Je dis, avant Jésus t'est ressuscité pour aller dans le ciel, mon pâte qu'on a dans le ciel. Mais en gros, tu vois ça, non? Mais je dis, après la résurrection de Jésus, tout le monde qui mourit est dans le ciel là. Or, Acte des Apôtres lui écrit après que Jésus t'est fini de monter dans le ciel. C'est après que Jésus est fini de monter dans le ciel que l'apôtre Pierre dit, David n'est point monté au ciel. Et c'était tellement significatif pour Pierre, parce que Pierre n'a pas de message qu'on entre dans le ciel là. Il dit, tombe dans le temps aujourd'hui. Hein? Il dit, mais tombe dans le temps. Fais. Depuis la création d'Adam jusqu'à l'apôtre Pierre, pas de grand monde qui disait qu'on est au bras dans le ciel. Adam pas de connaître le bras dans le ciel. Abel pas de connaître le bras dans le ciel. Methuselah pas de connaître le bras dans le ciel. Noé pas de connaître le bras dans le ciel. Enoch pas de connaître le bras dans le ciel. Isaac, pas de comme ça. Abraham, pas de comme ça. Jacob, pas de connaître le bras dans le ciel. Moïse, pas de connaître le bras dans le ciel. David, pas de jamais connaître le bras dans le ciel. Jacob descend en Égypte, il était fin grand monde. Il te connaît. Bon Dieu a mené au tourné dans la terre de Canaan. Il était comme ça. Et il fait Joseph. Fait le serment que l'air a quitté le pays, c'est pour porter Zoli, pour déterrer, pour porter Zoa dans le pays. Amen. Joseph vient de mourir avant de quitter l'Égypte. Parce que ça te prend 400 ans. Amen. Des centaines d'années passées, c'est petit Joseph qui doit te prendre grand-papa pour porter en Israël. Il n'y a pas de jambes de promesses que vous prenez dans le ciel. Qui les même, bon Dieu, change ça. Il dit désormais, m'appelle tout le monde dans le ciel. Qui les? Qui l'en est? Qui moi? Qui verset dit ça? Qui problème même, bon Dieu, vient gagner? Qui fait? Faut le mener tout le monde dans le ciel. De rencontrer un petit madichon un jour qui est venu dans la cour, hein?
Il vient déposer au monde sur une moto. Après ça, il prend la Bible là, il commence à parler, 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 parler. Moi, je ne vais pas répondre parce que moi, tête n'est pas bon. À la fin, il fait qu'on est pendant 1000 ans, tout le monde a monté dans le ciel, pas de monde sur la terre a tourné, qui ça, ça. Finalement, Satan prend tout le monde. Petit bonhomme n'a pas parlé tant qu'on monde qui a diarrhée, choléra. Bible a dit nous, bon Dieu créé la terre pour ne pas jamais désert. Même pour 15 secondes, la terre ne peut pas manquer de monde. Mais pour que la terre soit capable toujours habiter. Si tout le monde peut passer 1000 ans dans le ciel, qui est-ce qui a pris sur la terre? Satan pour le tuer le monde, Satan pour le faire comme si c'est lui qui tuait le monde, il pourrait le ressusciter le monde. Fatra senti. Il y a des paroles au monde qui ont dit c'est fatra, mais il y a des paroles au pas qu'à dire fatra seulement. Vous êtes obligé de sentir parce qu'il faut boucher néon. Qui l'est, n'a pas posé question, hein? Qui l'est et qui bol dit ça? Que bon Dieu changeait l'idée, le pape mettait les hommes sur la terre encore, mais l'a mené au ciel. Et qui problème, bon Dieu gagne même, qui fait que pour prendre les hommes de la terre, malpropre Jean Yoye, pour ce ciel là pour le mener, si les hommes sur la terre font malpropre sur la terre. En plus, le monde dit la terre est trop sale. Jésus ne peut pas mettre pied sous terre péché ça. Et dans le ciel là pour aller. Zacharie 14 dit, en ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Avant, prédicateur ouvre bouche ou pour parler, c'est pour lire la Bible. Commencez à apprendre le lit d'abord. Tournez l'école pour qu'elle apprenne le lit. Suspendez la boîte à fia pour qu'elle ait un temps pour le lit. Là, le lit pour comprendre. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Vis-à-vis de l'Orient, du côté de... Vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Maintenant, moi, Jésus, fils de qui ça? De David, qui doit prendre le pouvoir du monde, lui dit nous. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Mais tout le monde aujourd'hui doit attendre Jésus tourné. Non? Si tout le monde qui t'a doit attendre Jésus tourné, et c'est ça que normal, tout le monde qui veut joindre Jésus dans le ciel là, tu n'es pas bon. Par contre, si je m'a mal parlé, si Jésus a retourné, tout le monde d'accord, ou pas d'accord pour obtenir Jésus tourné, il y a un monde même qui dit non religieux, ou a voulu dire, n'a pas de Christ là pour le tourner. Ou pas qu'à fin de dire, ou a Christ là tourné. Et puis chaque monde qui m'a ouvert, il y Jésus. Moi-même, Jean-Paul parlait à Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, c'est ça. Elle dit nous, ce n'est pas Paul qui a fait ça. C'est Dieu qui le fera. Il n'y a pas grand monde qui a rentré dans la vie tout en avènement Christ là. Pas de place. Parce que jusque-là, tout le monde comprend le discours. Noir. Depuis que le monde est monde, jusqu'à Paul, jusqu'à Pierre, pas de jambes de gens qui t'est monté dans le ciel. Qu'il est même, bon Dieu, décidé que désormais, il a mené tout le monde dans le ciel. T'as besoin d'un verset qui dit, mais qu'il est bon Dieu, t'es décidé ça. T'as besoin d'un texte pour dire, mais qui problème, bon Dieu, gagne. Le bon Dieu t'a détruit la terre, il écrit ça, un verset. Hein? C'est pas un verset? Le bon Dieu t'a détruit la terre, t'es gagné un verset. Et il a raison qu'il fait la détruire là. S'il a mené tout le monde dans le ciel, il faut qu'on verset. Il faut le bailler raison que fait la mener tout le monde dans le ciel. Je dis nous, dans Jean 14, Jésus dit, il a venu chercher nous. Première bêtise, moi pas là. Deuxième bêtise, Jésus a sauté dans le ciel, oui? Il a descendu. En d'autres mots, ça nous a dit, Jésus a voyagé. Hein? Il a quitté le ciel, il descendra du ciel. Il va descendre, il vient de nous dans les airs. Je ne parle pas à monde qui a un bon sens. Je dis ça, oui. Je dis qu'il faut un bon sens, oui. Jésus a descendu, sorti dans le ciel là. Et nous-mêmes, les morts et les vivants en Christ, va partir pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Monsieur, madame, prends bon sens. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons voyagé. C'est Jésus qui a voyagé. Ou pas qu'à dire, il a voyagé dans le ciel. Et dans le ciel, il est sorti. Nous-mêmes, nous pas voyager non plus. Est-ce que nous avons voyagé? Nous prenons rencontrer voyageurs. Et bien ça, nous prenons rencontrer voyageur, ça va jamais fait dans le monde aucun côté. Pour aller rencontrer un monde qui a voyagé, et puis pour le prendre, pour le tourner côté de sortir avec vous. Jamais. Si ça t'arrive un jour, il y a prêté le kidnapping. Je ne parle pas de bon sens, oui. Si Jésus a dans les airs et puis nous pourrons le rencontrer, qui est-ce qui voyage? Jésus. C'est nous qui pourrons le rencontrer. De deux choses l'une, ou bien Jésus grand côté le pralé, ou bien nous-mêmes nous grand côté n'a pas mené. Mais le paca retourner côté le thé, sortir autrement, c'est lui qui t'a venu rencontrer nous. Vous parlez bien? Oui. Ce n'est pas lui qui a venu rencontrer nous. Ce n'est pas nous qui avons voyagé. Je dis à
pas gain ça encore, mais longtemps les petits moun 6 7 8 ans l'en pays moins les en couple à marier toujours gagné deux mouvements qu'on veut qu'a fait un moun qui sous cheval qu'a fait va et vient entre kay côté nos là pour le fête là à l'église là il court aller court tourner là l'église là pour qui bon pasteur qui bon père aller dans ça l'affaire. Le courir vient de la caille, mais ça ouais qu'a fait. Pour le cas qu'on est, combien de temps on gagne pour faire préparation. Mais aller venir comme ça, la dernière fois le venir, toujours un groupe de jeunes filles et de jeunes garçons qui chita la caille, captain pour dire, mariage a fini. Et moun sa yo levé, ak radio bien belle sur yo bouquet fleur dans main yo yo pral rencontrer des moun qui sont mariés yo moi me dit que tan wè ça y a chanté cantique moun yo kap marié yo sous cheval moun qui pral rencontrer yo à pied donc gagné un bout de chemin que y a fait pas tellement long. Parce que vous n'avez pas qu'à faire toute route là à pied, eh bien, vous sortez la caille à chanter pour aller rencontrer M. Marié. Mais M. Marié n'a pas jamais pris mon sang pour le tourner à l'église là. Jamais. Mon sang prend devant monsieur avec madame qui sont mariés avec marraine parraine yo derrière et moun sa chanter cantique pour aller dans kay côté noce là à fête là. Mais nous tout d'un coup bagaille a changé. Nous pral rencontrer Jésus dans les airs. Mais Jésus a tourné dans le ciel avec nous. Je suis un monde qui dit moi, il a rencontré maman, ou papa, ou ma tante, ou marraine, ou frère, ou bien sœur, ou bien zamine, dans l'aéroport. Hein? Et puis il remonte à l'avion, hein? Il tourne aux États-Unis. Hein? Dans le cas ça, ce n'est pas ou même qu'elle rencontre, c'est lui qui vient rencontrer. Et moun pas jamais vient rencontrer moun. Cap sorti Haïti Maïdate, yo al rencontre yo nan aéroport Kennedy, yo al rencontre yo nan aéroport Mirabel, ou n'importe qui l'autre aéroport côté pays ou pral débarquer ya. Depuis d'avance, ou voyez di mou nan, ou ap voyager tel lè nan tel avion, ou ap rive tel lè, li vin retan nou nan aéroport, et puis li gon kote l pral avan. Pourquoi j'en mouè ça? Mais pasteur nous même voulons pour nous rencontrer Jésus dans les airs. Si nous avons monté dans les airs, pourquoi ça ne pas tout monter dans le ciel, tout si nous avons côté nous aller. Bon raisonnement avec bon sens. N'a pas un petit bail plus clair dans Jean 14 toujours. Je vais vous préparer une place. Pas une maison, chers amis. Place, pas une maison. Ou qu'à considérer une maison comme une place. Mais une maison dans une maison, c'est jamais vu. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Ou pensez que Jésus t'a dit bêtise ça? C'est le pasteur nous qui a dit ça. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Pour commencer, Jésus n'a pas dit il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, il y a plusieurs places. Hein? Il y a des gens qui nous disent, ils posent la question, où demeurez-vous? Ça veut dire, qui bon?
ou rete? Oui, on moun ka pose une question ça. La demeure peut être une maison, mais ordinairement, là où il y a une demeure, il n'y a pas de maison. Mais là où il y a une maison, il peut y avoir beaucoup de demeures. Hein? Là où il y a demeure, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas une dizaine de maisons. Mais là où il y a une maison, il peut avoir plusieurs demeures. Il y a un peu de place pour mon rester la caille papa. Ma bon créole, c'est ça Jésus te veut dire. Et si ce n'est pas ça, Bible créole, on va nous mettre foule dans le bois. Mettre foule dans le bois. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Où les hommes tendent la maison du Père, la maison de Dieu, ils disent le ciel. Beaucoup de gens, moi, ont côté dans la Bible qui dit le ciel, c'est la maison du Père. Mais on belle chanter sous ça. Au ciel est la maison du Père. Menti. Menti. Dans l'Éternel a parlé, il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et pour montrer que le ciel n'a pas qu'à dire, il dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Alléluia. N'importe qui étudiant dans sous 10 000 qu'on baise. Continuez à étudier dans la source 10 000 ou apprendre un pile bagaille que le pasteur pas connaît. 7 ans, 4 ans, 8 ans à étudier, vous ne connaissez pas si le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Ça vous étudiez même. Vous apprenez à faire la collecte. Vous voyez, non, dimanche matin, vous avez fait 25 collectes. Ça a eu fort. Vous apprenez à faire la moisson. Vous avez vendu un œuf pour 500 dollars. Pour le fort, pour le cobla vini, dans nos pasteurs qui dit, où c'est fatra? Et le Seigneur, bon, mon message là. Où sont fatra? Alléluia. Le Seigneur dit, m'kounia, où c'est fatra? C'est ton bail qui prend là. Le Seigneur dit, m'kounyan, c'est fatra. Le Seigneur dit, moi, cheveu, c'est fatra. Le Seigneur dit, moi, ratsoua, c'est fatra. Le Seigneur dit, moi, figiou, c'est fatra. Le Seigneur dit, l'argent n'a pas soua, c'est fatra. Alors, pour fatra, vous venez. Pour des cobbies, vous venez. Il y a un côté, il finit pour combattre dans mes mounio, il continue à dire, relève-moi, c'est fatra. Et puis tout le monde dit, moi, c'est fatra. Bah bon, maintenant, non? Frère Sam, t'es montré la vidéo, hein? Frère Sam, t'es montré le lit. Parce que tout ça, l'esprit prend. Tout le monde déclare c'est fatra. Et la gente n'a pas choisi c'est fatra pour te vini. Alors, je fais une petite réflexion. Je me dis si mon yo pour tout fatra yo vini, monsieur, ça, son dépotoir. Excusez-moi, passe.
Si ces questions ont fait réponse là. Si toute l'agence a eu, c'est fatra au recevoir, soyez vous-même. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Où ça? Dans la maison de mon Père. Alors, en pile monde connaît Jésus a bâti caille pour eux dans le ciel là. Non, non, ce n'est pas possible. Si bon Dieu t'a fait caille pour nous dans le ciel, depuis qu'il a t'a fait? Depuis la création du monde. Dans les choses que nous avons besoin, qui ça bon Dieu fait après le fin fait nous? Bon Dieu là d'ailleurs. Bon Dieu fait de l'eau avant le fait nous. Il fait yam avant le fait nous. Il fait patate avant le fait nous. Il fait maïmoulé avant le fait nous. Il fait pois. Bon Dieu fait tout bagaille pour nous avant nous fête. Hein? C'est comme si bon Dieu t'arrive, on lui dit, oh oh, je ne peux pas quitter sur la terre encore, non? Quand tu m'as mis là, je t'amène dans le ciel là. Oh oh, non, je ne peux pas mener au passé. Ben, un caille. Et puis Jésus dit, non, papa, je vais faire caille pour vous. Pas besoin de père. Je vais faire caille pour vous. Et puis qu'on y a Jésus sué dans le ciel là. A fait caille. Même division sur la terre. Et avec dans le ciel là. Même inégalité. La fait grand château. Pour Zotobé. La fait petit caille moyen pour malheureux. Et puis ajout pas pour mon affaire pas bon. Bon, moi-même, je vais me joindre. Il y a un bagage ça parce que Jean. Pep Pamna à Pagon. Le gouvernement fait 100 cas en côté, on va finir fait grand nec guet après. Oui, il y a un là qui a un petit cas dans le gouvernement. Combien? Ou pas bien non? C'est monsieur tel qui a 5 cas déjà qui joint ni. Ou même ou pas même quand il est au bail cas ça. Bon, vous pensez que vous avez un caille dans le ciel, haïtien, vous avez un caille dans le ciel? Ah, Dieu! Vous avez un caille dans grand pasteur, vous avez un caille dans grand pasteur, vous avez un caille dans le vous avez un tout caille pour madame, petite, yo, on caille pour chien la caille, on caille pour chat la caille. Vous regardez dans le sud boue. Matthieu passé, pays étranger, bail manger. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. N'allez pas vers les païens. Mais après Jésus finit préparer place à la croix, hein? Comment on dit ça dans Marc 16? Allez. Bon verset à mot à mot en lié. Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit. Après ça, il dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Avant bonne nouvelle, prêchez aux enfants d'Israël seulement. N'allez pas vers les païens. N'allez pas. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Mais maintenant, ça le dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Celui qui croira et n'importe qui monde qui croira et qui sera baptisé, et qui baptisé sera sauvé, il pourra le sauver. Mais celui qui ne croira pas, celui sera qui condamné. Ne croit pas sera condamné. Quoi qui ça? Quoi qui ça? Quoi que le royaume de Dieu a venu,
sur la terre. Alors, wa di msou nan la religion ou kwè, nan ki yè sou kwè, nan ki sou kwè a? Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Je dis, je dis, nous, leur baptisé, ce n'est pas ça qui a sauvé. En sérieux, mes amis. D'abord, Jésus dit, n'allez pas vers les païens. Après, le fils de mourir, il prépare une place à la croix. Là, sous la croix, le mourir, ils font place dans la maison de Dieu pour tout le monde. Il dit maintenant, allez partout dans le monde. Allez prêcher bonne nouvelle là. Amen. Qui bonne nouvelle? Amen. Bonne nouvelle, oui, bon Dieu. On nous lit Marc chapitre 1er pour nous voir qui c'est bonne nouvelle là. Marc chapitre 1er, verset 14 et 15. À nous est cette bonne nouvelle là. Pour te saber nous bonne nouvelle ciel là. À nous est dans la Bible cette bonne nouvelle. Après que Jean eut été livré, lorsque Jésus fit apprendre qu'il a livré Jean à Ptouyel, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il allait dans la Galilée et ça t'a prêché l'évangile de Dieu. Comment? L'évangile de Dieu. Il t'a prêché l'évangile de Dieu. C'était l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu, est proche. Répentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. Mais ça t'a prêché. Qui passe ton temps de prêcher ben ça? Il t'a prêché l'évangile de Dieu. Et il dit, le temps est accompli. Ça veut dire le temps pour le royaume n'est pas venu, fini. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça, oui. Avant, il te dit disciples, parlez qu'il n'y a pas rien. Jésus est mort à la croix. Et à la croix, le verset 100, on va aller dans Ephésiens chapitre 2, dernier texte qu'on prend. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, pour le faire nous voir. Côté Jésus préparé place là. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Paul a parlé ici à des païens. Non là? Les Éphésiens, c'était qui? Des païens. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans le péché ça, ou t'as marché autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le prince de ce monde. C'est qui le prince de ce monde? Qui est ça? Satan. On va pas besoin de dire ça, c'est lui. Satan. Selon le prince de la puissance selon de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit, de l'esprit maintenant, qui agit maintenant. Dans les fils de la dans rébellion. Fils de la rébellion. Fils de la rébellion, c'est monde dans l'évangile, dans l'église qui a bâillé menti. Il y aurait les petites rébellions. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Tendez, oui. Paul dit, moi-même avec collègue moi, nous étions de leur nombre. Ça veut dire, les enfants d'Israël, t'es dans mes temps. Païen, yo tout. Yo tout tes mêmes bagailles dans un seul panier. Bon Dieu t'es jeté, yo t'as servi des idoles. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous t'as vivre longtemps selon Jean, la chair nous mandait nous pour nous vivre. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous t'as pas accompli volonté la chair et volonté pensée, non? Et nous étions par nature des enfants de colère comme et les autres. Naturellement. Ces petites colères notées, tant que
Païen, c'est là pour moi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais bon Dieu qui est riche en miséricorde. Li, à cause du grand amour. À cause du grand amour. Donc il nous a aimés. Il remet nous. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous-mêmes qui étions morts par offense. Nous, nous a rendus à la vie avec Christ. Il rend nous tous à la vie. Avec Christ. Avec Christ là. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il ressuscite nous comment? Ensemble. Il ressuscite ni moun qui t'a vivre selon les convoitises de la chair, ni moun qui t'a fait rébellion. Il ressuscite nous tous les deux ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Il fait nous chita ensemble dans les lieux célestes. Est-ce que vous entendez ça? Jésus-Christ. Il fait nous chita non place. Hein? Je vais vous préparer une place. Et Jésus, en mourant à la croix, nous a réconciliés et fait nous ressusciter comment? Ensemble. Et il fait nous chita comment? Ensemble, dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infini. Pour qu'à montrer dans les siècles à venir, richesse qui est finie. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par bonté li envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Son grâce, bon Dieu, fait nous, pas que nous, qui te mérite ça. Les enfants d'Israël, sauvés par la grâce. Les païens sauvés comment tu eux-mêmes? Par la grâce. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ça passe aussi dans nous. C'est le don de Dieu. Hein? C'est un don de... Un don, c'est une faveur imméritée. Répétez ça, vous entendez? Un don, c'est une faveur imméritée. On ne va pas mériter ça. Ni eux-mêmes, ni nous-mêmes, nous ne pas mériter rien. Bon Dieu, fais-nous toute grâce. Ce n'est point par les œuvres afin que personne. C'est pas les œuvres nous t'a fait pour personne monde de glorifier. Car nous sommes son ouvrage. Et le Paul dit nous sommes son ouvrage là, il a parlé d'Israël et païens. Ayant été créés en Jésus-Christ. Nous tous les deux nous t'es créés dans Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que bon Dieu t'a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Pour nous qu'à pratiquer. C'est pourquoi. C'est ça que fait. Vous autrefois païens dans la chair. Ou même autrefois que tu es païen dans la chair, appelé ainsi au concile, y était relo ainsi au concile, par ceux qu'on appelle si au concile, et c'est monde qui si au concile qui était relo comme ça, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, y était si au concile dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans voilà, Christ. Voilà, par là, dit songez n'attends ça, nous étions sans Christ, privés du droit de citer nous en Israël, nous t'es perdu droit pour nous te battre en cas en Israël pour nous rester étrangers aux alliances de la promesse, nous t'es étrangers dans l'alliance promesse là, sans espérance et sans Dieu, et dans, sans le monde. Dieu dans le monde. Israël t'es gros espérance mais non pas de gain. Israël t'es gain Dieu mais nous mêmes non pas de gain. Israël t'es mon lakay mais nous mêmes nous t'es étrangers. Verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, ou même païens qui étaient jadis, ça veut dire dans tant longtemps, comment éloignés, vous voulez dire quoi? Il n'a pas dit vous étiez loin, mais vous étiez éloignés. Éloignés, c'est faire aller loin. Bon Dieu t'a poussé nous aller loin. Nous tous dans bon Dieu, oui. Mais bon Dieu, ils vont là, ils poussent nous aller loin. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Avec sang Christ là, bon Dieu proche païen avec Israël même côté. M'a prédit ça pour vous. Ou même qui était autrefois comment? Éloigné. Bon Dieu, rapprochez-nous par le sang de Christ. C'est ça, oui, préparons place là. Je vais vous préparer une place. Tout le monde te perdit place. Yo. Israël te une bon place, mais elle perdit. Pareil, il n'y a pas de place du tout. Sans Dieu, sans Christ dans le monde, le sang de Christ mène et tous les deux venus ensemble. Ils sont dit là, le fait nos chita ensemble. Car il est notre Père.
C'est lui qui fait la paix, non? Il fait la paix entre nous. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Lui-même qui prend combien? Combien il prend? Deux. Combien il peut venir? Un seul. C'est ça, oui, Jésus fait. Amen, amen. C'est ça, le tabdi, il dit, qu'en pile place, la caille papa. Mounde yo yo, ça yo map mené yo tout. Ou songez un temps, ça Jésus te dit. Jésus dit, disciples, j'ai encore d'autres brebis. Côté au monde, nous ne connaissons pas, mais nous ne connaissons pas ça. Qui va yo yé? Dans l'autre pâturage. C'est nous-mêmes pas, hein, oui. Et il dit, celle-là, il faut que je les amène. Il faut. C'est ça que fait Jésus, après que dans la ville samaritaine, il était couru derrière. Les disciples ont demandé pour du feu tomber pour bouler mon sang. Jésus pas d'accord. Quelques jours après, Jésus campait dans cette ville-là. Et c'est mon sang eux-mêmes qui viennent chercher pour l'arrêter dans la ville-là pour barrer l'évangile. Ces brebis-là, il faut que je les amène. Il prend deux peuples, il fait revenir un seul. Et puis, loin ça le dit. Qui a renversé le mur de séparation? Qui ça le fait? Il a renversé le mur de séparation. Séparation, te fait nous chaque fois un bord. Une amitié. Les enfants d'Israël ont bord, les païens on l'autre bord. Nous pas de carrés ensemble dans le même cas. Bon, bon, petite histoire tout petit. En Israël, on païen pas de gain droit pour vivre en Israël. Si ou t'as obligé dans le pays ou dans le pays comme esclave, yon esclave qui a gagné des talents, qui a son boss, boss maçon, un boss charpente, yon ébéniste, yon orfèvre, etc. Païen, yon païen doit entrer la caille israélite là. Non, caille la sacrée. Si païen, d'après Wally, t'a obligé à entrer caille juif là, c'est pour le camper devant porte là pour le dire ça l'a dit. Après ça pour l'aller. L'aller, c'est pour aller en esclave. Dans la caille, vient laver la place là. Avec un bagage qui est relé, les op. Je dis, les relé clou wax. Parce que pas un sale, pas un c'est madichon. Côté le décampé, ça pour le favel, j'ai lavé la place là, pas avec savon, non? Avec clou wax. Bon. Bah, là, cale plus loin. Païen font journée, ou bien le grand goût, il m'a des juifs là manger. L'Éternel bat l'ordre, si on vous demande de manger, c'est pour le bail. La bail païen à manger. Les païens ont fini de manger, juif la crase assiette là, jetez-le. Les casse qui est là, jetez-le. Place côté le chita pour manger à yo lavel, chaise li te chita yo boulel. Vous comprenez ça me dire? Si un cochon mourit, la caille israélite là. Bon, israélite pas un cochon. Bon, bon, dans l'autre bagaille. On cabrite. Mourit caille juif là. S'il mange un cabrite là, il dit li est pur, il n'est pas bon encore. Pas seulement s'il m'aide, non? S'il passe son côté cabrit là, t'es mouru là, il n'y a pas de connaître. Il passe dans la place là seulement. L'impur. L'impur, l'entrée la caille, il n'y a pas de connaître. Il chita sous un cabane. Cabane n'est impur. Madame ne chita sous cabane, non? Cabane n'est impur. Timounio vient chita sous cabane, non? Timounio est impur. Ou comment va être grave? Mais Israélite là, il doit camper l'autre bord de clôture et puis il y a l'autre monde.
Dès donc mon jour ça pas de bon pour lui, m'a dit personne. M'a pas dit non personne, m'a fini mal. Il paraît dire l'on monde l'autre bon entourage là, on pas rien dit, vienne prendre cabrit sac mouri là. Et puis pas rien venir, il prend cabrit la met sous dol. La lacaille, depuis avant le cocher, le timon a commencé à boucler les oreilles là. Oui, pas de problème. Tout le monde content, il y a un cabrit dans la caille là. Pas de aucun problème. Mais Israël dit que passé dans la place que le cabrit là, il est mort, seulement bon Dieu pas content. Ouais, nous-mêmes, pas rien, c'est grave. Mais là, Jésus, le sang de Christ, il met nous toute sa vie ensemble, son gros bagage. C'est grâce à ça qui est caché dans Jean 14, Satan pas de nous comprendre. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Jésus, par son sang, ramène nos vies ensemble. Il prend deux. Il fait le faire en seul. Il renverse muraille séparation, muraille zizanien, muraille inimitié. Anéanti par le pilon encore. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. De non seulement le film fait ça, mais la loi qui te dit nous différence, elle fait. Il anéanti. Ça veut dire qu'il rend une loi sans valeur. Il prend l'autre décret-loi. Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Lui créer dans lui-même avec les deux un seul homme quoi nouveau. Un seul homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Jean 14 là, oui. Et c'est ça nous expliquer dans le livre sous 10 000 là. Si vous n'avez jamais étudié dans sous 10 000, on dit Jean Barouk toujours, oui. Parce que vous pouvez comprendre, hein. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller. Vous êtes un choix de porte. Vous avez besoin de toujours. Afin de créer en lui-même. Afin de créer en lui-même. Un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. En établissant la paix. En établissant la paix. Et de les réconcilier. Et réconcilier nous tous les deux. L'un et l'autre en un seul corps. Attendez, les réconcilier l'un et l'autre. Qui l'est ça? Et l'autre ça. En un seul corps. Avec en un seul corps. À qui nous réconcilier nous hein? Les réconcilier nous deux et à le faire nous font seul. Avec Dieu. Et le réconcilier nous à qui nous encore? Avec Dieu. Avec Dieu. Par la croix. Par la croix. Par qui ça? Par la croix. Qui bon Jésus prépare place là? Par la croix. Est-ce que nous venions place jeudi? Hein? Yes. On nous dit béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Égaré, vent enflé, tête fêlée, qui v'là dans le ciel là et vous mettez allé. Dans le ciel déjà. Et bien dans le ciel nous est là. Il nous a ressuscité ensemble. Et nous a fait rasseoir ensemble. Qui va ça? Dans les lieux célestes. Amen. Malgré que folie qui dit pas mal dans le ciel, parce que c'est dans le ciel, moi. Maintenant, on voit un bon Dieu qui a bien sous la terre. Tout le monde longtemps, pas de gens qui connaissent. Youn là-dedans, pas de gens qui connaissent. Il y a dans le ciel.
les enfants d'Israël t'attendent la venue du royaume de Dieu sur la terre. Nicodème t'attend. Joseph d'Arimathée t'attend le royaume. Même les pharisiens t'attendent. Tout le monde t'attend. Siméon t'attend pour le roi qui vient sur la terre. Les grands mondes. Et puis bon Dieu ballon pour merci. Il dit Siméon, comment t'as passé? Ou même ma bonne grâce spéciale. Ou pas mourir tout ton pas, ouais, moun kap vin gouverner la terre. Ou pas là, mon promesse comme ça. Ou mon pas besoin de promesse ça. Ou besoin de promesse pour pas mourir sans pas guetter atteindre perfection pour entrer dans la homme. Pas quitter aucun pasteur joke vous dans le ciel. Plutôt intéressant, ou pas besoin de chanter en thème en haut. Un peu pasteur protestant mettre madichon sous. Siméon, le bonjour. Il pas qu'on a rien. Il est un prophète, mais il est là, Kaili. Il parle de notre parce qu'il est trop grand monde, il n'est pas qu'à marcher. Et le huitième jour de la naissance de l'enfant, Siméon pas qu'on a rien, le Seigneur dit, oh, ouais, où sont ces âmes de bon mettre toi? Siméon dit, oui, Seigneur, il doit mettre petit garçon dans le temple, je dis, ah oui. Des battes sont arrivés pour Kaweli. Siméon prend bâton, nous zoukoutap. Et puis il vient dans le temple. Et puis Marie et Joseph viennent à petit garçon en sous-bras. Et puis ils présentent. Siméon prend ce petit là. Il dit, Seigneur, qu'on y a ou mettre qui t'es mal en paix. Ou mettre qui t'es mourato. Alléluia. Alléluia. Puisque mes yeux ont vu ton salut. Ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Pour tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël. Et gloire d'Israël. Qui te serviteur là à l'écounia. Qui te le mourit. Parce que ça me besoin ouais. Moi, ou t'es dit même pas mourir. Laisse-moi comme fait mal. Gendé l'aime sentim ta mouri moi. Mon dit me fòm wèl. Kounya ou fèm wèl. Ou met kite malè kounya. Alléluia. Nan même temps gen yon madame qui gen 82 ans depuis le pas avec Maril. Yo te viv 7 ans ensemble. Li vini nan temple la tout et puis wè ti pitit la. Doba. Et puis il recevait ce petit là tout dans bras. Et puis il chante un cantique, il donne parole. Tu me dis ça que bon Dieu te dit la baie David là. 84 ans. Oui. Il dit, Kounia, moi, Seigneur. Moi, royaume blanc pral venir. Premier message Jésus prêché, c'est le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Croyez à la bonne nouvelle et repentez-vous. Protestant dit, le temps est accompli. Je ne vais pas qu'être pour dans le ciel là. Mais, on a saisi pour les protestants malades. Ils ont tremblé, ils ont plaint. On service fini comme ça. Ils ont pris un mené en la caillou pour la prière. Ou passer ils ont dit, serviteur, ou pas calé, ils sont pas quitté en prière dans la caille là. Ou pas voulez mourir. Pourtant, les mourir, ils vont aller dans le ciel là. Hypocrite. J'ai l'impression qu'ils ont bien connu ces menti. Lorsqu'ils arrivent à la caillou,
lis Ephésiens chapitre 2. Relis-le encore. Comparez-le à Jean 14. Parce que la maison du Père, ce n'est pas le ciel, mais c'est l'église de Dieu. C'est nous que maison papa, oui. Hébreux chapitre 3. On a le livre CA. Je dis, je vais t'appeler l'autre encore, mais obligé de lire ça. Avant de me pour aller. Hébreux chapitre 3. Ça dit dans Hébreux chapitre 3, verset 4. Chaque maison est construite chaque par quelqu'un. Chaque maison, il y a un monde qui construit. Lui. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Le monde qui construit toute bagaille, c'est bon Dieu. Pour Moïse. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est Moïse dans le ciel. Non. Comme serviteur. Il était fidèle comme serviteur. Mais qui peut Moïse être? Parmi les enfants d'Israël. Il a géré les enfants d'Israël. Donc, il était fidèle où ça? Dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'était qui? Les enfants d'Israël. Pour rendre témoignage de ceux qui devaient être annoncés. Il était là pour rendre témoignage à bagaille qui t'a pris le vini. Mais Christ l'est comme fils sur Christ l'est sur sa maison. Elle a pour sauf, mais pour fidèle. Christ est fidèle. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est qui? C'est pas le ciel. La maison de Dieu, la maison du Père, c'est pas le ciel, c'est qui? C'est nous, à condition. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance de nous glorifions. On m'a dit pour le ciel, m'a dit le côté où passer. Je ne peux entrer dans maman dans le pasteur. Moi, je me dis, c'est sous le papa à l'eau. Je La maison du Père, c'est nous. À condition que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Est-ce que vous avez confiance que Christ l'a retourné sur la terre? Est-ce que vous avez espérance que le royaume bon Dieu a sur la terre? On m'a regardé, moi, je m'en parle là, tout est activé au ciel. Je viens de poser une question. Si je fais un tabasco, c'est pour l'amour de Dieu. Oh, regardez-moi, je vais plus de verset dans la Bible. Je vais un grand verset où c'est dit. Nous soyons, j'aime qu'on dit nous ça. Il y a des versets au bypass de Potessan quand on a tombé. Oh. Eh bien, chers amis, voilà. Mes confiances, nous. Mes espérances, nous. RTFG Radio Téléphone Gospel, c'est bon l'évangile de A à Z.